À une époque, il y a des années, ou bien il n'y a pas si longtemps. Dans un pays lointain, étranger, mais assez proche finalement. Un temps où les vieilles dames nettoyaient plusieurs fois par jour les rues piétonnes et jouaient avec le vent à balayer les feuilles d'automne. On s'asseyait simplement dans la rue à regarder les passants. Il y avait un quartier comme un autre, bien qu'unique également. Où les voisins voyaient passer pendant des années un enfant qui traversait presque chaque jour la rue Iliando avec une boîte d'instruments plus grosse que lui sur son dos. Au bout de la rue, on entendait une trompette. C'était le maître Tealdi qui ne fermait jamais sa fenêtre. Un homme élégant, galant, un homme de quartier, qui avait mille et une histoires et anecdotes à raconter. La moustache argentée, taillée avec la forme de son embouchure. Au premier abord, un homme sévère, de mauvais caractère, un peu dur. Mais ceux qui le connaissaient percevaient en lui un être à l'âme sensible et pure. La première fois que l'enfant vint toquer à sa porte, Maestro Tealdi lui répondit de sa voix grave et forte. « Je n'apprends pas aux petits, je n'en ai pas la patience, maintenant rentre chez toi. » Mais l'enfant voulait être trompettiste, il voulait être son élève, alors il insista. Il retourna chez le maître chaque jour, avec le même espoir, avec le même émoi. Et un jour, Tealdi ne répondit rien, et simplement le laissa entrer. C'était un professeur impassible et exigeant. Qui la trompette était plus qu'un simple instrument. Elle l'avait protégé d'un destin cruel et tragique. Il avait été sauvé grâce à la musique. Ses cours étaient toujours accompagnés de longues discussions autour d'un café au lait, qui pour moi fut toujours le meilleur au monde, simplement parce que c'était lui qui le préparait. Puis, il me raccompagnait. C'était un moment magique. J'étais un enfant heureux. Peu de fois dans ma vie, j'ai rencontré un homme si généreux. Le temps passait. L'amitié se forgeait dans nos cœurs. Grandir à ses côtés était le plus grand des honneurs. Au quartier, il dessinait des sourires sur les joues de toutes les belles, avec ses compliments de vieux poète au charisme éternel. Il n'était pas qu'un maître de musique, c'était un maître de vie. C'était mon père, mon grand-père, encore plus qu'un meilleur ami. Son but était de me donner les armes, me préparer pour un futur incertain. Il m'enseigna à sécher les premières larmes de mon cœur de gamin. Il m'apprit à jouer au billard, à faire du vélo, à boire du vin, à rendre ce monde un peu plus beau, un peu plus humain. Par la douceur d'un sourire, d'un bonjour, d'un geste tendre, d'un mot sincère. Toutes ces petites choses qui peuvent égayer une journée, voire une vie entière. Et surtout, il m'a appris à aimer la musique. À cette époque, je m'échappais du lycée pour l'écouter jouer avec l'orchestre symphonique. Mais il me disait « Retourne à l'école, ne sois pas comme moi. On n'a pas tous eu la chance de pouvoir étudier. » Je me souviendrai toujours des mots de ce gentilhomme de quartier. Il avait des manières aussi rustiques que cavalières, aussi simples qu'il était complexe, aussi modeste qu'il était fier. We'll be right back.
Il ramenait des fleurs à la mienne en mon nom. Puis, un jour comme un autre, il décida de ne plus me donner de cours, d'arrêter les leçons. Il me dit « Vole de tes propres ailes, trace le chemin que ton cœur te dicte, ne regarde jamais en arrière, je serai toujours là. Vole de tes propres ailes, c'est à ton tour de découvrir le monde, je serai toujours avec toi. » La dernière fois que j'entendis sa voix, il me demanda si j'étais heureux, si j'étais bien. Je lui dis « Oui » et il répondit en souriant « Alors je suis tranquille, je suis serein. Mon cher maître, mon ami, je t'emmène avec moi là où je vais, là où je vis. Le monde serait plus beau si on avait tous la chance d'avoir un maestro, Tealdi. » La mesa miraba hacia San Martín. Estábamos de espalda a Mitre, en una pizzería que había de San Lorenzo, que después creo que pusieron ahí, tuvo un bar un amigo mío que se llamaba Morelli, después pusieron la pizzería esa y nos sentamos y pediste pizza, pedimos porciones de pizza y pidieron Coca-Cola, vos y el pibe Eduardo. Y yo le dije no, en esta mesa no se toma Coca-Cola, hay que tomar vino. Si querés tocar la trompeta, tenés que aprender a tomar vino.